abonnés du forum Les Gens du Message, bonsoir et bienvenue à cette émission spéciale avec un homme spécial, un homme qui a décidé enfin de prendre le prénom de Frère Branham. Il s'appelle Branham Kabeya. Je lui dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir Frère John Kat. Merci beaucoup. J'espère que vous allez bien. Ouais, très bien par la grâce de Dieu. C'est la première fois de vous recevoir sur notre plateau du forum Les Gens du Message et moi à tous les frères qui nous suivent en ce moment net en direct du forum. Ouais, ce que je peux dire aux enfants de Dieu est que le Seigneur vous bénisse. Enfin, bon, c'est la meilleure chose que je peux vous dire, que le Seigneur vous bénisse. On vous appelle Branham Kabeya. Dites-nous comment, enfin, vous aviez décidé de prendre ce prénom d'un homme qui a bougé cet âge. C'est lui qui est même le numéro un. C'est lui qui nous a apporté le message. Comment est-ce que vous avez décidé, vous avez pris la décision de prendre le prénom Branham? Dire que j'ai décidé là, c'est trop dire, parce que on peut pas décider de prendre un nom tant que vous êtes né d'une famille, vous êtes né d'un papa et maman. Ok. Ouais. Donc c'est enfin qui avait décidé de vous donner ce prénom. Ouais, c'était pas aussi inutile. Mm-hmm. C'était dit à quelques événements aussi qu'ils ont connu avant mon accouchement, avant que je vienne au monde. Et c'était aussi suivi de quelques petites prophéties que je devrais servir Dieu durant toute ma vie. Et ils avaient décidé de me donner ce nom. Donc c'est un peu ça. Vous savez que le prénom qu'on vous a donné par les parents, c'est un prénom vraiment très dangereux, que si vous n'arrivez pas à respecter les principes de la parole, vous ne vivez pas d'une manière sacrée, vous risquez de salir William Branham, vous savez. Bon, à mon avis, c'est pas un prénom dangereux, mais pour moi, c'est ça de l'influence sur ma vie. C'est un prénom vraiment sacré, on peut s'entendre comme ça. C'est un prénom sacré. Pour moi, ça a beaucoup d'influence dans ma vie, ça me bénit positivement. Ok. Donc, au-delà de ce que vous venez de dire, moi vraiment, je n'ai pas eu la malchance de vivre les mauvais côtés. Je pense que ça m'est béni. Si je suis ce que je suis, je pense que c'est grâce à ces dons aussi. Alors aujourd'hui, nous vous recevons dans les cadres de votre carrière. Vous êtes artiste musicien, on va le dire ainsi. On va essayer de parler un peu de qui vous êtes, comment est-ce que vous avez commencé à chanter et tout ce qui est arrivé dans votre parcours musical. Mais bien avant cela, on voulait un peu connaître le frère Branham Kabeya. Il est célibataire ou marié? Je suis marié, ça fait déjà, je vais dire, une année et quelques mois. C'est vrai? Yeah. Et le nom de notre sœur, elle s'appelle comment? Elle s'appelle la sœur Patience Kabeya. Ah oui, la sœur Patience à qui nous disons bonsoir, que Dieu la bénisse aussi. Ouais. Et puis, à ces jours, vous avez des enfants ou bien vous attendez encore? Ouais, nous avons une petite jolie fille que Dieu nous a donnée par la grâce de Dieu. Je pense que c'est déjà suffisant pour le moment. Puisqu'on vous appelle Branham Kabeya, dites-nous un peu. Vous priez dans quelle église du message? Moi, j'ai prié à Phoenix Tabernacle. Phoenix Tabernacle, le révérend Zakola. Frère Branham Kabeya, nous allons entamer maintenant votre partie vraiment maîtresse. C'est la carrière musicale, celle qui nous amène ici à venir parler quand même autour de ce que vous êtes, de votre musique et tout ça. Mais bien avant cela, vous allez nous chanter une chanson pour que les frères et sœurs qui nous suivent en direct puissent s'accorder, bien sûr, avec nous, que vous êtes artiste musicien. Sans problème. Alors, frères et sœurs, nous accordons quelques secondes à notre frère qui va essayer de brosser un peu et puis on va se retrouver tout juste après. Comme ce glorieux message, oh mes bien-aimés, ça nous bénit. Quand nous mettons la confiance, on sait que plus de bon on prospère à tous égards, ça nous bénit. Ce message n'est pas un mythe, mais c'est la parole de l'ange et il y a Dieu dedans, ça nous bénit. Ce message n'est pas histoire, mais c'est la parole de l'ange et il y a la Dieu. Ça nous bénit. Les anges montent et ils descendent quand on lit les Écritures. Et quand l'ensemble répond avec un grand amen, ils sont bénis
comme la serretia. Il y a certaines histoires dont on croit on est sauvé, comme les histoires qui racontaient le prophète. Le frère Balaam Kabeya, je pense que avec moi, on s'est accordé que l'artiste est là, il a des pièces, il vient de déposer une de ses pièces. Je pense que vous êtes béni là où vous êtes. Alors, frère Balaam Kabeya, parlez-nous un peu de votre carrière. Comment est-ce que vous avez su que vous avez ces dons, ces divins dons de chanter? Ça fait plus de 10 ans okay. que j'ai commencé à chanter. Mm-hmm. Premièrement, je ne savais pas que j'avais le don de chanter. Mm-hmm. Tellement que, comme je disais que depuis mon enfance, on me disait toujours que j'allais être serviteur de Dieu. Mm-hmm. Ce qui, surtout, on prédisait que j'allais être prédicateur. Mm-hmm. Yeah. Ce qui m'intéressait beaucoup, c'était la prédication. J'écrivais les chansons, mais sous forme de prédication. Mm-hmm. Mais je ne prêchais pas, mais j'écrivais seulement. Mm-hmm. Bon, je ne sais pas comment appeler ça. Vous aviez composé des chants. J'ai composé des chants, mais sous forme de prédication. Yeah. Vous êtes prédicateur aussi? Ouais, je prêche. On va aborder ces points-là vers la fin. Ouais. On va vous découvrir aussi sous cette casquette-là. Yeah. Alors, vous étiez en train de composer? Yeah. Mmh. J'ai composé des prédications sous forme de, des chansons sous forme de prédication. Okay. Et en fait, je ne savais pas aussi que j'avais le don de chanter. Mais c'est juste après quelques temps, j'ai senti en moi une profondeur de, le désir seulement de chanter simplement. Ok. Je suis parti et j'ai adhéré à l'office de musique que j'ai commencé. Bon, j'étais pas vraiment spécial au début. J'étais la personne la plus négligée. Mm-hmm. Parce que je ne ressemblais vraiment pas à quelqu'un qui allait même un jour écrire une très belle chanson. Et là, c'était toujours à Phoenix? Non. Là, c'était au Rocher Tabernacle. En quelle année, c'est déjà? Ça fait peut-être 2012. Rocher Tabernacle, vous avez dit? Rocher Tabernacle. Ouais. C'était où? C'était en Célébibois. Ah, Bibois, ok. Yeah. Okay. Mm-hmm. Yeah, c'est là que j'ai commencé à chanter. Mm-hmm. Et puis, quand j'ai intégré l'office de musique, mm-hmm. J'ai commencé petit à petit, j'étais toujours négligé. Mm-hmm. Et après un certain temps, je me suis décidé aussi de me retirer et commencer aussi à chanter moi-même parce qu'il y avait vraiment beaucoup de trucs qui s'est passé. Ok. Bon, moi j'ai pensé que c'était peut-être des choses qui étaient très mauvaises pour moi, mais or c'était une voie que Dieu avait prévue pour que je commence aussi à écrire des chansons personnellement. Mm-hmm. Et c'est à ce moment-là j'ai commencé à chanter à la maison. Mm-hmm. J'apprenais ma guitare, je chantais toujours à la maison, je chantais plus à l'église, mm-hmm. mais toujours à la maison. C'est à la maison que j'ai développé en écoutant nos anciens, mm-hmm. personnellement le pasteur Il Foucault d'ici, le pasteur Sylvain Akwala. Mm-hmm. Parmi les pionniers, ouais, hein, quand même. Ce sont les deux personnes que j'interprétais souvent. Mm-hmm. Et j'interprétais vraiment ces deux grands chanteurs. Mm-hmm. Jusqu'à ce que, bon, je sais pas si je peux commencer à parler de ma carrière. Mm-hmm. La façon dont j'ai commencé à faire une carrière. Ouais. Bon, je chantais pas pour devenir un grand chanteur, pour faire une carrière musicale. Ouais. Je chantais parce que j'avais envie de chanter. Mm-hmm. C'était une manière pour moi d'exprimer mes sentiments, mm-hmm. Mes émotions. Mais il m'est arrivé, pendant que je chantais, j'avais fait un rêve, mm-hmm. un rêve. Bon, j'avais fait le premier rêve et puis le deuxième rêve. Le deuxième rêve, j'écrivais les chansons. Mais il y a un jour où quand je dormais, mm-hmm. je vis les pasteurs Les Foucault venir là où je dormais. Mm-hmm. Et il m'a dit qu'il avait écrit quelques chansons pour moi. Mm-hmm. Il a commencé à m'apprendre comment chanter les chansons. C'était plusieurs chansons. Et après, j'ai appris la chanson. Mais quand je me suis réveillé, j'ai oublié les chansons que j'avais apprises. Bon, mais je sais une chose, que depuis ce jour-là,
il y avait quand même une amélioration par rapport à ce que je faisais avant. Mm-hmm. Là, c'est lorsque vous avez voulu commencer votre carrière? Ouais, non, je n'avais même pas voulu. Mm-hmm. Mais si j'existe après cette expérience que j'ai commencé maintenant à voir des choses, ces CD, mm-hmm. qui me commençaient vraiment à m'amener à faire une carrière. Okay. Parce que la carrière, je le fais des fois par imposition. C'est vrai? Et donc, et comment, de quelle façon? Ça fait partie de mes rêves. Oui, oui. Donc, je vous ne voulez pas vraiment faire la musique en tant que carrière? Ouais, je ne voulais pas vraiment faire ça, mais c'est, mm-hmm. je pense que c'est Dieu. Mm-hmm. Je pense même pas, mais c'est Dieu qui m'a forcé vraiment à les faire. D'accord, ouais. On va arriver à votre carrière, mais dites-nous un peu, quelle est votre première chanson lorsque vous avez commencé à composer, la première que vous avez pu écrire? C'était laquelle? La première chanson, c'était dans Ces Belles Pays. Dans ce bel pays. Ce bel pays, yeah. Est-ce que vous pouvez brosser un peu cette chanson si vous avez encore l'image? Aujourd'hui, c'est chanter, parler. On va chanter, on parle. Parce que l'artiste, il se montre vraiment un grand compositeur. Il a beaucoup de choses, beaucoup de chansons, bien sûr, dans sa gymnastière. Alors, vous pouvez nous donner ces cantiques et puis on va avancer. Dans ces belles pays en or, dans ces belles pays en or, j'irai voir le frère Branham. Amen, amen. Dans ces belles pays. Donc c'est un peu ça. Oh, gloire à Dieu. On ne va pas vous donner tout, parce qu'il y a des frères qui volent des cantiques aujourd'hui. Hein. On va les dire comme ça, oui, dans le monde du message. Yeah. Un frère qui écoute une chanson qui n'est pas encore sortie en studio, il saute premier pour aller composer. C'est du vol, frère. Ouais. Et c'est de la malhonnêteté scientifique, donc il faudra toujours coopérer avec les compositeurs. Frère Branham Kabeya, il me paraît que vous n'avez pas beaucoup de chansons. Là, je sens qu'il y a d'autres choses que vous n'avez pas encore données à l'épouse. Yeah. Ouais, vraiment, je pense que jusque-là, je n'ai pas encore eu la chance de donner même le 10%. C'est vrai? Parce que, Dieu a déjà donné comme cantique. Vous pouvez avoir combien de chansons dans votre gymnastère à ces jours? Depuis que vous avez commencé à écrire, composer? Bon. Ces derniers temps, au début, j'ai essayé d'écrire, pour ne pas oublier, mais je pense que depuis ces temps, ça fait déjà quelques années, parce que j'avais déjà quelque chose de 400, mais jusqu'aujourd'hui, je sais pas si c'est déjà à combien. 400? Yeah. Ah! 400 chansons, frère, vous qui nous suivez en direct, tapez un peu, combien de chansons de frère Branham Kabeya vous connaissez? Mais qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à mettre sur la place publique toutes vos compositions? Et vous parlez de 400 chansons, mais si on compte ce que vous avez déjà enregistré, ce n'est même pas une quinzaine, même pas une dizaine. Yeah. Pour quelles raisons vous n'arrivez pas à chanter, à mettre sur la place publique ces chansons que nous entendons, mais qui ne sont pas encore écoutées par le peuple de Dieu au travers des enregistrements studio? Ouais, donc il y a seulement un problème capital, c'est un problème de soutien, ce que je peux dire en général. Okay. Parce que, vous savez, quand Dieu nous donne le don, il doit y avoir des personnes pour soutenir ça. Exactement. Pour que ça aille de l'avant. Mm-hmm. Vous savez, pour sortir les chansons, ça demande de l'argent, les studios, c'est trop cher. Mm-hmm. Au-delà du studio, il y a aussi la promotion de la chanson. Ouais, exactement. Vous voyez tout ça. Ça demande vraiment de l'argent. Je pense que si Dieu permet que quelqu'un de bonne volonté, bien, un enfant de Dieu qui sent dans son cœur, il peut mettre quelque chose pour que nous puissions sortir d'ailleurs, moi, je pense, j'ai un rêve de faire un album à 100 titres. À 100 titres? Ouais, ça c'est mon rêve. Non, mais ça va sortir comment? Ouais, ça c'est mon rêve vraiment. C'est depuis, je me dis toujours ça, que si Dieu me donne l'occasion de faire un album à 100 titres, je le ferai. Mm-hmm. Parce que je pense que ça m'aidera aussi à donner quand même une partie de ce que j'ai. Mm-hmm. Une grande partie. Ouais. Si je peux dire ça. Parce que je me dis, avec la manière dont nous faisons sortir les chansons, mm-hmm. et ça fera ce que je ne trouve pas ça important. Mm-hmm. Peut-être un jour je meurs et je n'ai pas chanté toutes les chansons. Non, que même j'ai. Dieu va vous condamner. Quand il vous donne, c'est pour partager avec ses enfants. Alors dites-nous un peu, la musique pour vous, vous avez fait une école de musique ou bien c'est juste les dons que Dieu vous a donné et puis vous parvenez à faire tout ce que vous faites comme composition? Moi, la musique, je n'ai rien appris. Mm-hmm.
Mais je sais que j'essaie aussi de m'adapter à certaines, à certaines choses pour quand même essayer d'avoir quelques maîtrises. Mm-hmm. Comme par exemple la guitare. Oui, alors vous aviez quelqu'un qui vous a formé. Donc c'est un peu ça. J'ai aussi eu quelqu'un qui a déjà chanté avant moi et qui m'a aidé aussi à m'apprendre quelques certaines choses. Mais je n'ai pas appris la musique déjà au partir dans une école. Non, là, ça vient seulement comme ça. je suis vraiment un faiblard dans la musique. OK. Alors, parlons un peu de vos compositions. Dites-nous un peu comment est-ce que vous arrivez à composer. C'est votre source d'inspiration. C'est quoi, par exemple? Ma source d'inspiration. Moi, souvent, je m'inspire presque à toute chose. Je peux m'inspirer d'une personne. Je peux aussi m'inspirer du message. Je peux aussi m'inspirer de la Bible, je peux aussi m'inspirer de ma vie. Voilà. Donc, pour moi, mais j'aime beaucoup chanter ma vie et le message. C'est vraiment ce que j'aime beaucoup. Okay. Parce que quand je chante ma vie, c'est une expérience directe. Non, c'est comme si je m'exprimais devant Dieu. Mais avec le message, maintenant, souvent quand je chante les messages, j'ai de la joie. Okay. C'est quand j'ai de la joie, je chante les messages. Ok. Ouais. Alors, vous avez parlé des 400 chansons aujourd'hui dans votre vivacière. Combien déjà vous avez déjà pu mettre sur la place publique? Je pense pas que c'est au-delà de 10 chansons. Ok. Que j'ai déjà mis. Je vais citer énormément. Nous avons la Merveilleux, qui est ma toute première chanson que j'ai mis en ligne. La deuxième chanson, c'est Gloire à Dieu. La troisième chanson, L'Éternel est Dieu. Et il y a aussi quelques chansons que j'ai mis sur JMK. Ok. Vous avez pu faire réaliser des lives. Oui, des lives. Ok. La loi de la mort, grâce, encore merveilleux. Et puis c'est fini, quelque chose de 7 chansons. 7 chansons, presque. Ouais. Oh là là, frères et sœurs, vous qui avez l'argent, vous qui avez les moyens de produire les enfants de Dieu, voilà un talent. Je pense que par les 2 cantiques qu'il venait de nous donner, c'est déjà vraiment, vous sentez vraiment que c'est Dieu qui parle au travers de 7 âmes. Donc, je pense que si Dieu vous a donné de l'argent, c'est pour soutenir de tels dons. Vous avez une possibilité de le faire. Le numéro de l'artiste s'affiche juste au bas de vos écrans. Contactez-le, essayez un peu de parler et voir comment vous pouvez le produire. Il est à Kinshasa. Donc, vous avez des moyens, vous êtes à Kinshasa, vous gardez ça. Un jour, quand vous allez rentrer au ciel d'où nous venons, Dieu va poser la question pour quelles raisons vous n'avez pas pu soutenir. L'erreur que vous avez fait, c'est de suivre cette émission. Vous suivez l'émission, vous avez l'occasion aussi de mettre l'argent que Dieu vous a donné à la portée de cet homme de Dieu. Je pense que ça pourra aussi vous servir un jour au ciel comme témoignage. Alors, homme de Dieu, vous nous avez annoncé les titres saints. C'est une nouvelle chanson, un single qui sort. Dites-nous un peu pourquoi les titres saints. Le titre saint, c'est une chanson qui sort ce 17 septembre à 19h30 dans notre chaîne YouTube Branham Kabea TV. Pourquoi saint? La profondeur de la chanson, les textes de la chanson, c'est venu directement, c'est juste une expression, une expression du cœur. J'avais juste envie d'adorer Dieu. En fait, je me disais, j'ai regardé, je me suis dit, c'est comme si parce que j'étais très triste, et je me disais, je suis triste, mais je sens dans mon cœur que je dois adorer Dieu. Mais je sais pas comment commencer, comment le faire. Parce que je me disais quelque chose, qu'il y a certaines personnes qui chantent souvent les louanges. Je me disais peut-être c'est parce qu'ils sont trop joyeux. Ils ont tellement vécu des bonnes choses. Peut-être c'est pour ça qu'ils chantent les louanges. Mais après, j'ai compris que c'était pas ça. Parce que quand je me suis seulement dit ça, directement, il y a une chanson qui a commencé à chanter dans mon cœur, j'ai commencé directement à louer Dieu par cette chanson. Et j'ai pas compris. Donc c'est juste une chanson qui élève Dieu, qui loue Dieu. Donc c'est un peu ça. Vous avez eu un producteur pour ça ou bien vous vous êtes produit vous-même? Bon, dire un producteur, c'est très difficile, mais je peux dire qu'il y a des frères qui ont essayé de nous soutenir, des frères que je travaille avec, et qui ont essayé de faire de leur mieux pour qu'on puisse quand même avoir la chanson, mais c'est pas une production, et je pense c'est un soutien aussi, je peux dire amical. Donc c'est pas les gens qui ont pu quand même ajouter quelque chose, une pierre à l'édifice, pour bien sûr obtenir ce qu'il y a là. C'est une chanson que vous avez chanté seul ou bien vous avez chanté en featuring avec quelqu'un? Non, j'ai chanté seul. OK. Yeah, chanté seul.
Ok. Alors, Frère Branham, est-ce que vous avez les soutiens des autres artistes musiciens? Parce qu'il y a longtemps, on vous a pas, comme vous voyez à la soirée acoustique, et ça fait aussi longtemps que vous ne chantez pas à la soirée. Dites-nous un peu, est-ce que vous arrivez aussi à communier avec d'autres artistes musiciens? Bon. Mmh? Ouais, Frère bon. Branham, quand bien. Qu'est-ce qui vous fait rire? La question? Parce qu'il y a certaines personnes qui me posent aussi ce genre de questions. Ok. Yeah, c'est pour ça, c'est pour vous. Vous voulez toujours rester seul, tout ça. Donc, pourquoi vous ne communiez pas? Bon, je communie. Je peux dire la soirée acoustique, c'est une famille, c'est une famille. Il faut le reconnaître, c'est la soirée qui vous a aussi donné un nom. Ouais. Bon, vous aviez déjà le nom Branham KBM, mais au fur et à mesure, vous passiez peut-être là, vraiment, je peux dire de l'autre côté. Et beaucoup de gens comme moi, je vous ai découvert à la soirée acoustique. Ouais. Ah. Là, c'est une maison mère. Mm-hmm. Je peux pas nier, mais en fait, je pense que on est ensemble, mais cela ne veut pas dire que si on est ensemble, on doit toujours être tout le temps avec les gens, non. Et donc, on est ensemble, on est vraiment là. Ok. Mais sinon, la soirée acoustique, j'ai toujours, à chaque fois que j'ai l'occasion. Le temps et tout, oui. Je pars toujours, ouais. Vous partez aussi accompagné de votre épouse? Ouais. Parce qu'il y a, là, il y a beaucoup de célibataires. Ouais, ouais, ouais. La soirée, vous l'avez connue là-bas? Il y a, donc. Vous l'avez vu pour la première fois à la soirée? Ouais, ouais, de toutes les fois. Ouais, ouais. Je salue ici le frère Goël Mapoko, le révérend de Ville Kanono, le frère Joseph Abel Ngongo, qui sont les principaux promoteurs de la soirée acoustique. Que le Seigneur les bénisse richement. Alors, frère Branham KBA, parlez-nous un peu de vos projets en dehors de ça. Le single qui va sortir, vous avez dit les 17? Le 17 septembre 2023, dites-nous un peu, quels sont les projets que vous avez? Est-ce que vous allez commencer à sortir juste une chanson parce que vous n'avez pas de producteurs, ou bien vous avez un autre programme que vous avez à mettre sur la place publique? Yeah, comme je le disais, j'ai toujours dans mon cœur un projet, un grand projet. Pour moi, c'est un grand projet parce que je me dis que cet album, ça sera dénommé Forever. Ok. Yeah, parce que j'ai toujours rêvé de faire un album, pas beaucoup d'albums, même un album, mais un 100 titres. Forever. Ouais, un 100 titres. Mais malheureusement, j'avais déjà un projet d'album qu'on avait fait, que j'ai fait durant presque une année, mais qui n'a pas vu le jour jusqu'à aujourd'hui, parce que on avait commencé avec un frère qui nous avait mis la main, mais malheureusement, il avait aussi connu quelques problèmes et on n'a pas pu. On n'a pas pu finir le projet parce que on a les audios, mais il y a un problème, vous savez, je ne pense pas à faire un album seulement comme ça, sortir des chansons. Je pense que si on doit faire sortir un album, ça doit être un album qu'on doit faire aussi la promotion pour atteindre tous les enfants de Beaucoup d'enfants de Dieu. Faire seulement un album comme ça, bon, je préfère sortir le single, j'ai fait même une chanson, j'ai fait sortir jusqu'à ce que Dieu nous donnera vraiment la personne qu'il faut pour réaliser mon rêve personnel, qui est de faire un album vraiment. J'ai pas un rêve de faire beaucoup d'albums. Un seul, à 100 titres. Je rêve de faire même un seul album, mais à 100 titres. Et les 300 autres, vous avez pas les 400, et les 300 autres, comment ça va sortir? Ouais, là, maintenant, ça m'aidera. Parce que, je pense pas que toutes les, là, c'est mon avis, c'est mon avis. Je pense pas que toutes les chansons, parce que nous sommes humains, et c'est plus aussi, il y a des chansons qui ne sont pas vraiment des inspirations, et qui sont peut-être les fruits de nos pensées ou bien de nos inquiétudes. Des choses que vous avez vécues, qui ne sont pas obligatoirement Dieu qui vous donne l'inspiration. Moi, je me suis toujours dit, si peut-être je suppose que je vais avoir 500 chansons, je suppose peut-être les 300 peuvent être inspirés, peut-être les 200 ne peuvent pas être inspirés. C'est vrai? Vous avez une écriture pour ça? Une écriture pour ça. Bon, là, c'est mon expérience. Là, c'est personnel, hein? Ouais, c'est mon expérience. Donc, il y a des chansons qu'on nous chante qui n'ont pas été inspirées, mais juste, ça vient parce que c'est venu. Ouais, c'est venu, par exemple. OK. Il y a des chansons qui ne sont pas inspirées par Dieu. OK. Il y a certaines chansons. Inspirées par vous-même. Ouais, inspirées par vous-même. Mais qui peuvent bénir aussi. Ouais, ça peut aussi bénir. Tout comme ça peut aussi, Bénir, ouais. Ça peut aussi, bon, je peux pas dire maudire, mais ça, parce que la chanson qui bénit, c'est la chanson qui doit avoir l'approbation de Dieu. De Dieu. Ouais, donc c'est un peu ça. Ok. Je pense que les 100 titres sera les chansons que je vais vraiment sélectionner parmi ce que Dieu vous a donné comme inspiration. Et ça va sortir sur quel support? Sur internet, sur les plateformes de téléchargement? Ça dépendra du travail qui sera fait et puis des partenaires. Ouais, est-ce que vous avez des partenaires? Ouais, présentement j'ai pas de partenaires. Oh. Yeah. Avec tous les frères que nous avons dans la maison qui ont beaucoup d'argent.
Vous n'avez pas des partenaires. Bon, on a des connaissances, mais des partenaires, c'est difficile. Parce qu'un partenaire, ça doit être une personne qui vous soutient vraiment. Quelqu'un de confiance. Quand aussi. Vous avez vraiment besoin de ça. Mais avoir une connaissance avec quelqu'un, c'est autre chose. Avoir un partenaire. Un partenaire, c'est quelqu'un qui vous a. Qui vous soutient vraiment, que vous appuie comme en charge. Il fait tout ce que vous avez comme projet, comme programme. Mais votre pasteur, il a beaucoup d'argent, le pasteur Zako, là, que nous saluons ici. Il a beaucoup d'argent, pourquoi il ne vous soutient pas dans ce que vous avez comme projet? Bon, je peux dire en général, les pasteurs Zako, c'est l'une des personnes dans ma carrière qui m'a beaucoup soutenu. Premièrement, j'étais mission à la soirée acoustique. Mais j'étais connu à la soirée acoustique, mais j'ai manqué certaines choses. Mais ma rencontre avec lui, ça m'a vraiment propulsé à beaucoup de choses. Il m'a donné il m'a ouvert beaucoup de portes. Au travers de lui, je me suis rencontré avec beaucoup de gens qui m'ont aussi soutenu. Bon, je ne pense pas qu'il est vraiment obligé de me soutenir aussi dans le chant parce que, à chaque fois qu'il a, les chansons que je sors, quand je dis qu'il y a des soutiens, il soutient. Parfois, ça parle de relations, de bonnes personnes et tout ça. Il fait aussi partie des personnes. Par exemple, le frère Freddy. Vous connaissez le frère Freddy Zako, là. Il fait aussi partie de personnes qui, quand j'ai besoin de sortir même une chanson, je peux dire que même dans la chanson que je sors ici, je fais aussi partie des personnes qui ont besoin de quelque chose pour que ça sorte. Donc, parce que lui, il n'est pas producteur. Il n'est pas producteur. Exactement. Mais il est mon pasteur. D'accord. Mais il me soutient vraiment beaucoup. Là, vraiment, je suis reconnaissant d'une manière ou d'une autre, personnellement aussi. Et il y a beaucoup de choses qui me soutiennent. Je ne pense pas qu'il est seulement obligé de me soutenir. Oui, exactement. Merci beaucoup, Frère Branham Kabé. Alors, vous allez nous donner un dernier chant. Vous pouvez nous donner gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, oui. Alors, frères et sœurs, vous qui nous suivez en direct, nous rappelons que nous recevons le frère Branham Kabé. Il est artiste et musicien et prédicateur en même temps. D'ailleurs, cette chanson va directement nous introduire dans la partie ministérielle. Il va nous parler de ce qu'il fait en tant que prédicateur. Alors, on les suit un peu et puis on va se retrouver tout juste après. Il semblerait que je n'avais pas bien prié. C'est pourquoi je ne suis pas exaucé. Je fais comme Pierre, je jette encore le filet. Sur ta parole, j'ai la foi que ça ira. C'est cette même puissance qui m'a placé sur la terre. C'est cette même puissance qui m'a fait voir les jours. Et la même puissance qui m'a fait voir les jours. C'est cette même puissance qui me garde à bonne santé. Et la même puissance qui me garde à bonne santé. C'est cette même puissance qui pourvoit même à mon pain. De la même manière, il a pourvu pour mon pain. De cette même manière, il pourvoira pour mon problème là. De la même manière, il a pourvu pour mon pain. De cette même manière, il pourvoira à des millions d'argent. Si notre Père Céleste nourrit même les oiseaux, Amen. Est-il de ses fils, il prendra soin de moi. Prends soin de nous. Il s'appelle El Jiré. L'Éternel est notre pourvoyeur. Il est l'agneau à la place d'Isaac, mon Dieu. Il est le bâton de Moïse. À la place de Charles de Pharaon. La quatrième personne à la fournaise. Gloire à Dieu. À la place d'eau d'incendie. Yeshua. Amen, amen. Je crois que Dieu est immuable. Je crois que Dieu ne chante pas. Si devant Jéricho, il recommanda une louange. Pour mon problème, une louange m'est recommandée. Je transforme mes soucis à des sujets de louange. Dieu transforme mes combats à des bénédictions. C'est grâce à Goliath que David fit un roi. C'est grâce à ses problèmes que je serai un héros. Qui es-tu grande montagne devant ces eaux, Babel? Tu seras aplani par la louange d'aujourd'hui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il n'a
peut oublier d'allaiter son enfant. Mais Dieu le Créateur n'oubliera jamais ses bien-aimés. Car celui qui compte les étoiles et les appelle par leur nom n'est pas à danger d'oublier ses propres enfants. Amen, amen. Il m'observait, il m'observait, son œil m'observe. C'est dans le calme. Amen, amen. Oh, gloire à Dieu. Vous venez de suivre la chanson Gloire à Dieu. Une composition originale de notre frère Branham Kabeya. Alors, frère Branham Kabeya, dites-nous un peu, comment est-ce que vous êtes arrivé à prêcher le message? Prêcher, je vais dire que comme je disais, vous savez que j'étais déjà prédicateur avant même de prêcher parce que on me le disait. Et la deuxième chose est que j'ai commencé à prêcher déjà depuis l'école. J'étais avec mon ami, on allait à l'école, on prêchait, même au quartier. Ouais. Donc je prêchais vraiment d'amitié, je prêchais. Donc je pense que il y a si beaucoup de personnes qui me connaissaient pendant que j'ai étudié. Ouais. Ils m'appelaient toujours pasteur. Donc j'étais vraiment. Oui, ça on peut le constater. Vous avez un calme pastoral, hein. Vraiment. Et même le charisme, on voit un peu. C'est cette raison-là même qui vous pousse à être trop réservé, je ne sais pas. Dans le public, vous n'aimez même pas être avec beaucoup de gens et tout et tout. Donc c'est vraiment un constat réel. Ah, vraiment. Et quand vous avez commencé à prêcher, c'était Dieu qui vous avait dit de commencer à le faire ou bien vous avez commencé à le faire comme vous avez dit tantôt? Qu'il y a des choses aussi, des cantiques qui vous arrivent par vous-même, vous dites que non, je compose. Ou bien c'est Dieu lui-même qui vous a parlé. Commencer à prêcher, je ne vais pas dire que c'est Dieu qui m'a parlé, mais j'ai senti une profondeur, quelque chose m'appelait à faire ça. Imaginez que j'étais un enfant, j'étais encore élève, mais j'ai prêché mes amis. J'ai prêché vraiment presque partout. J'avais même un ami qui m'interprétait aussi. Je pars en prêche comme ça, il m'interprète des fois. Vous allez me voir. Presque tous les jours au quartier, je suis là, il y a beaucoup de gens, des amis qui étaient là autour de moi, je suis en train de parler de la parole, vous voyez, c'est j'ai commencé comme ça. Mais je me suis pas donné beaucoup à ça, je me suis donné beaucoup au chant par rapport à la prédication. Donc je suis j'ai quand même beaucoup d'expérience au chant par rapport à la prédication. Donc la première fois que vous avez prêché, c'était où et quand? Je me souviens, la première fois où j'ai prêché, c'était à l'école. La deuxième fois, à l'école, et comme je disais, au quartier, mais pour prêcher derrière une chaire, je me souviens, c'était dans une réunion des ministres. Ok. J'étais là, c'était une réunion des ministres des vases. Là, j'ai prié dans une église à Alliance Tabernacle. Vous êtes aussi une vase? Non. Ok. Donc, c'était dans une réunion comme ça, et puis les pasteurs m'avaient appelé de prêcher, exhorter, c'était même pas prêcher, exhorter. J'avais exhorté, et c'était bien. Okay. Et j'ai commencé aussi à modérer, modérer, jusqu'à ce que, je me suis donné au chant, j'ai laissé ça. Lui voulait vraiment que je prêche, parce que lui vraiment, il sentait que moi, je devrais toujours prêcher. Vous avez la chose de Dieu. Moi, je voulais pas vraiment de ça. Je me concentrais souvent au chant, je conduisais le chant, parce que j'étais moi-même les conducteurs du chant, moi-même les modérateurs, moi-même les scribes, je faisais vraiment beaucoup de rôles et tout. J'avais laissé tout, je me suis concentré à j'étais comme conducteur de chant. Dans votre église, est-ce que vous avez déjà prêché Phoenix Tabernacle? Non, le pasteur Zako là. Malheureusement. Pourquoi? Parce que quand je suis venu là-bas, je me suis pas présenté comme chant et comme prédicateur. On vous connaissait sous la casquette de chanteur, d'un musicien. Et je me considérais aussi pas comme prédicateur. Je me considérais aussi comme chanteur. Et vous êtes comporté ainsi. Donc c'est de cette façon que je n'ai pas les pasteurs, parce que je me suis pas présenté, il m'a pas aussi aligné. Mais présentement, là, on connaît déjà que je suis prédicateur. Les pasteurs n'est pas encore là, vous savez. Ouais, exactement. Est-ce que vous avez un projet de commencer l'église? Parce que la plupart des musiciens, comme vous le savez d'ailleurs, ils ont commencé par chanter, et parce qu'ils chantent beaucoup de mystères, ils se disent que non, voilà, je peux aussi commencer quelque chose comme une église. Vous venez de le dire tantôt, vous avez commencé, pas que Dieu vous a dit, mais vous-même, vous avez senti que vous devriez faire quelque chose. Et vous êtes sincère. Alors dites-nous un peu, quand est-ce que vous allez commencer aussi votre église? Commencer une église. Bon, moi, je n'ai pas vraiment de décision sur la base de ça parce que pour moi, une église, c'est une grande charge. Ouais.
Présentement, je suis derrière, je suis déjà derrière un homme de Dieu. Un merveilleux prédicateur. Je me sens un merveilleux prédicateur. Je me sens vraiment trop à l'aise. Ouais. Mais commencer une église, si Dieu le veut, si Dieu me dit de faire ça, je peux le faire. Mais si Dieu ne me le dit pas, bon, je pense pas que c'est nécessaire parce que c'est pour moi, c'est un combat, c'est un grand combat. Non, les combats sont partout, même dans la chanson. Ouais, mais non, vous êtes déjà un combat déjà dans la chanson. Mais non, j'ajoute encore un autre combat dans la prédication. Par exemple. Alors, Frère Branham, nous allons vous accorder votre dernier mot parce que nous avons fini l'émission de ce soir. Qu'est-ce que vous voulez dire à tous les enfants de Dieu qui pourront peut-être avoir besoin de vous soutenir dans ce que vous faites? Ils ont découvert au travers de cette émission que vous êtes un merveilleux chanteur et qui voudront peut-être vous inviter dans leurs églises, dans leurs manifestations et surtout beaucoup plus pour la production dont vous avez besoin. Un mot de la fin. Ce que je peux dire est que je pense de tout mon cœur que j'ai un chant à chanter. Parce que pour moi, toutes les chansons que j'ai, même si ça soit 200, 300, 400, 500, c'est juste un chant. C'est ma vie. Et j'ai vraiment un chant à chanter. C'est un peu long. Et s'il y a les enfants de Dieu qui peuvent nous aider à chanter toute la chanson. C'est toute la chanson à finir vraiment tous les couplets. Et ça nous aidera vraiment à faire, ça nous aidera à accomplir la mission que Dieu nous a envoyé à faire sur terre. Et je vais aussi dire que je suis disponible pour tous les enfants de Dieu. Et à chaque fois qu'ils ont besoin de moi, souvent je réponds à toutes les invitations. Néanmoins, si je suis déjà occupé, je suis vraiment disponible pour tous les enfants de Dieu. Vraiment. Que Dieu vous bénisse, c'est ce que j'ai pu avoir. Votre numéro de téléphone, vous pouvez rappeler. Numéro de téléphone, WhatsApp 082. Plus 243. Plus 243, 82, 16, 83, 439, 82, 16, 83, 439. Et notre chaîne YouTube, Branham Kabeya TV. Notre page Facebook, Branham Kabeya Atmosphère. Merci beaucoup, frère Branham Kabeya. Ça a été un plaisir de partager avec vous, je pense que pour les enfants de Dieu qui vous ont écouté au cours de cette émission, et ils seront édifiés et auront aussi cette envie de vous soutenir. Parce qu'on a besoin que ce que vous chantez là, à chaque fois, que ça soit mis sur la place publique pour continuer à bénir, bien sûr, les enfants de Dieu. Alors, frère de soeur, vous qui nous avez suivi en direct, nous rappelons que le frère Branham Kabeya, il est croyant du message de l'heure. Il est brevis du pasteur Zakola, l'église Phoenix Tabernacle Kinshasa. Et avec lui, nous avons tenté de parler, de poser des questions que vous nous avez envoyées. Et il a répondu aussi à la lumière de ce qu'il connaît de la parole. Alors pour le reste, que le Seigneur vous bénisse. Nous vous donnons rendez-vous prochainement dans le cadre de nos émissions. Que le Seigneur vous bénisse. Bye.